Le 6-9 sur Energy, c'est le retour des invités du vendredi, le guest, et ce matin on démarre fort avec la bad gal Bambi. Ouf. Bonjour Bambi. Mais quel dynamisme dans ta présentation. Je peux faire mieux. Bonjour, tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Ça va, fatigué mais ça va. Ouais, la dernière fois que je l'ai vu c'était en 2017, tu te rends compte, c'était lors du Energy Music Tour. Ah ouais, c'était cool ça. Pff, ambiance de folie. C'était pas mal hein, franchement. Ah ouais, oh là là, quand tu me dis ça je suis un peu... Vous pouvez encore mater d'ailleurs les vidéos sur nos réseaux. Energy Music Tour avec Bambi et Jeannaï, c'était énorme. C'était pour moi l'un des gros rendez-vous. T'es de retour en Guadeloupe? Ouais. Comme toujours. Pour un événement, un projet bien précis? Ouais, je suis venue filmer le Zik. Avec Canal, j'imagine. Avec Canal Plus, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, c'est un nom, c'est pas grave. Musique, je sais pas quoi, pardon. Ouais. Et ouais, je suis venue filmer ça, c'était un show en live, et c'était trop, trop bien, c'était hier soir. On a hâte de voir ça, je crois que ça va passer pendant les fêtes de carnaval, je crois. J'ai pas vraiment le bon retour. Alors c'est quoi une routine de Bambi en Guadeloupe? Une routine Qu'est-ce que tu fais le matin? Tu fais quoi en Guadeloupe? Alors en Guadeloupe, j'aime beaucoup m'endormir avec le bruit des vagues, de la plage. Tu l'auras compris, Nandi, c'est-à-dire qu'elle est en ce moment pas loin de la plage. Si, je capte bien le truc. C'est ça. Ouais. Et du coup, j'aime bien m'endormir avec le bruit des vagues. J'aime bien manger un bon petit déjeuner le matin. Là, j'ai pas mangé, j'ai faim. D'ailleurs, il paraît que t'as un bon coup de fourchette. C'est ce que j'ai entendu dire. J'ai entendu dire qu'elle a un très très bon coup de fourchette. Ah ça oui, quand ça... je mange. Hein. Ouais, mais ça prend pas un gramme. Et pourtant, ouais, tu vois, ça prend pas un gramme. Arrête. Non, ça prend. Mais quand j'ai faim. Qu'est-ce que tu préfères manger ici? Les grillades. Ah ouais. Un moment. L'aile de dinde. Aïe, bon Dieu. Aïe, aïe, aïe. Hier, j'ai mangé 5 ailes de dinde. Tu sais quoi, on va arrêter de parler. Elles étaient énormes. Non, j'aime beaucoup les grillades. J'aime beaucoup ça. Ok, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On évacue ça avec le sport, j'imagine. Oui, un peu. Un peu? À ces temps-ci, déjà, le manque de fatigue, ça fait maigrir un peu. D'accord. Bambi, la bad gal, est avec nous ce matin dans le 6-9 sur Energy. À tout de suite. Le 6-9 sur Énergie Antilles. C'est la première des guests de l'année 2021. Et pour la première, elle rayonne. Un sourire de ouf. Je sais pas si t'as remarqué. Oh là là. Non, t'as vu le sourire? T'as pas vu? Je suis ébloui. Elle a souri, j'étais ébloui. J'ai fait waouh. C'est Bambi qui est avec nous ce vendredi matin. Donc c'est la première? Ouais. La première de l'année. Trop première de l'année. Bienvenue les gars, j'ouvre le bal. T'es un peu la marraine en fait, Bambi. Alors évidemment, le grand public t'a découverte avec Real Wifi. Real. Non, t'inquiète. Excusez-moi. Refais. Real. Désolé, je veux battre. Real Wifi. Real Wifi. Voilà. Ça te va comme ça? Yes. Très bien. Comment on en est arrivé là? Qu'est-ce que t'as fait avant en fait? Je venais d'obtenir mon BTS. Ouais. Et j'étais en train de jobber chez Sport 2000, j'étais d'accord. À la caisse. Ouais. Et je faisais des économies pour pouvoir partir aux États-Unis. Je comptais partir au mois de septembre. Et un soir de délire, Diana il m'a dit viens et tout, viens au studio. Et c'était un home studio, c'est-à-dire qu'en fait le studio c'était un petit micro, sans ordi, un petit piano dans sa chambre chez sa maman. Et il charbonnait tout le temps. Et un jour, déjà, il m'a dit, j'ai une prod. Ou pas, non oui, ouais. Ah ben oui, Janaï, depuis longtemps, tu vois. Ouais. Et il m'a dit, viens et tout, nana. Il faisait des instrus à ce moment-là. Il n'était pas aussi occupé qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il drive, mais avant, il faisait vraiment des instrus. C'est lui qui a fait l'instru de Real Wifi. Ok. Et de Fix Up. Et donc, du coup, il m'a dit, viens, j'ai quelque chose. Et quand il m'a fait écouter les premières notes, le toum, 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 tout, 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 j'ai pété un câble. Je lui ai dit, mais c'est un truc de ouf, parce que j'aime beaucoup le raga. Ouais. J'aime beaucoup la musique dancehall, mais le raga pour moi c'est encore meilleur parce que j'ai l'impression que ça chaloupe. Et du coup, il m'a fait écouter ça et j'ai dit oh là là, on va faire un raga. Et là c'était Real Wifi. Et tu chantais avant ou pas? Tu chantais un peu de dancehall? Dans ma salle de bain. Ouais, dans ta salle de bain. Franchement, mais que des chansons à voix. D'accord. Comment Adèle, des choses comme c'est ça. Je suis plutôt ça de base. Ok. Et il m'a dit non, toi c'est dancehall, en plus t'aimes ça, tu danses ça, c'est ta vibes. Et tout, et avec ma voix grave aussi. Donc du coup, ça a donné ça. Et septembre, mes économies, c'était plutôt pour faire autre chose que de partir aux États-Unis. Parce que le sang, en 3 semaines,
Ouais. Ben, là, il a explosé. Il a explosé, ouais. On a été nombreux à se demander à un moment donné, Bambi, était-elle en couple avec Jeanne? Ah, tu sais, on s'est tous posé la question. Et ouais. Tout le monde s'est posé la question. Donc, c'est le moment de répondre à cette question. Mais écoutez, moi, j'aurais, toutes les personnes qui posent cette question-là, j'aurais bien aimé savoir, ils en sont où? De leur vie à eux, de leur relation. Moi aussi, j'ai envie d'avoir des réponses. Et je ne les ai pas. Donc, du coup, je ne peux pas donner la mienne de réponse. C'est pas équitable. Donc, pas de réponse. Voilà. Ok. Sauf si t'as 1 million d'euros. Ça va être compliqué quand même cette histoire parce que j'ai d'autres questions assez indiscrètes. Si t'as 1 million en cash, je te réponds. Ouais, mais j'ai ça vaut pas ça. Hein. Juste pour le savoir, bon, ça va. Votre projet commun a été un succès en ASIO. On attend quoi pour en faire un deuxième? Mais. Parce que ça fait quand même 9 mois, je crois, hein, Bambi, que t'as rien sorti. Ouais, apparemment. Ouais, ouais. Alors bien, apparemment, tu sais. Qu'est-ce qui se passe? Manque d'inspi? Pas du tout. Ah. Alors? Non, c'est que quand ça viendra, ça viendra. Ouais. Voilà. Et c'est pour bientôt. Bon, très bien. On a l'impression qu'elle annonce un bébé, tu sais. Mais c'est vraiment ça. Bientôt, enfin, tu sais, les meilleurs projets, ce sont les projets qui prennent du temps à se préparer. Sinon, si c'est fait comme si ça. C'est là, sortir pour sortir. Après, chacun sa façon de travailler. Moi, je suis pas pressée. Je fais autre chose à côté de la musique, donc. Ah bon? Je suis pas, ouais. Je suis pas pressée des choses. Tu vois, je vais pas pouvoir, poser mes questions. Ouais. Des choses. Ok. Et du coup, moi, enfin. Je suis tout le temps, enfin souvent en studio. Et il y a beaucoup de son en fait en machine. Sauf que je me mets pas la pression. J'aime bien mon rythme, il ne me dérange pas. Donc voilà, après il y a un concentré de son en stock pour pouvoir sortir un projet. Et j'ai pas, comment dire, j'ai pas cette pression de me dire en attendant il faut que je bombarde, il faut que je bombarde, puisque j'essaie quand même de proposer des produits de qualité. Et après, chacun juge un artiste comme il veut, c'est-à-dire qu'il y en a qui jugent un artiste en fonction de la quantité de ce qu'il produit et d'autres en fonction de la qualité. Moi, j'essaye de faire de la qualité quand je suis présente, donc voilà. Nickel. Bambi est avec nous ce matin, passe une bonne partie de la matinée avec nous. C'est le guest du vendredi. Le 6-9 sur Énergie Antilles. On est content qu'elle soit là avec nous ce matin. Le premier guest de l'année, c'est Bambi, encore avec nous. Alors, au-delà de la chanteuse, il y a aussi le physique, on va pas se mentir. Oui, on va pas se mentir. Ça, ça travaille dur, ça squatte. Je vais me faire l'avocat du diable. J'ai un fou rire. Non, lui, apparemment, il va vraiment pas me lâcher ce matin, les gars. Ouais, donc, je préfère prévenir tout le monde. Je suis une gentille fille de base, n'en doutez pas. Mais apparemment, c'est piquant ici. Non, non, c'est pas piquant. C'est différent. Ouais, je vais me faire l'avocat du diable. Ça parle beaucoup de tes tenues sexy, de ta façon de te mouvoir sur scène et puis forcément ton physique. T'es pas un peu agacée par tous ces commentaires? Non. Tu t'en fous, ça te passe au-dessus de la jambe? Ouh là là. Ouais, c'est vrai. Mon Dieu. Moi, ceux qui aiment, il y en a pas mal pour déjà avoir ça à gérer. Donc, ceux qui n'aiment pas. Mais t'as quelque chose à leur dire? Tu leur réponds quoi? Je sais pas. Je les calcule pas, en fait, mais vraiment pas. C'est-à-dire que t'aimes pas, ben, regarde pas, désolé, en fait, je vais pas. Je vais pas moi mettre ce qui te plaît à toi, mais jamais de la vie en fait. Je mets ce qui me plaît. Si on me dit ouais Bambi là, faute de goût, hein. Faute de goût. Faute de goût, ça fait mal au cœur. Ah, tu vois. Donc ça te fait plus mal au cœur si on dit ouais, tu sais, Bambi. Ah ouais, si on me dit faute de goût, comment t'es mal sapé, mes potes, ouais, je sais quoi cette paire. T'as pété les plans. Là je fais. Ça me prend au cœur, je suis pas bien. À ce moment-là. Mais alors juste une critique, regarde la fille. Non, ça. Ouais. Bon, alors là, ce que j'ai aussi vu pas mal sur les réseaux, hein, parce que je me suis un peu documenté. On parle beaucoup aussi de chirurgie, de tout ça, quoi ou qu'est-ce. Alors. De quoi je me mêle? Ok. Réponse simple et concise. Clairement. À la ligne. D'accord. Point final. C'est bon. On va passer à un autre sujet. Voilà. Je sens que ça commence à devenir et je sens que je vais me prendre une claque dans deux jours. Non, je suis pas. Alors là, tu sais quoi? Ça fait partie de mon quotidien. Non. Ma réponse est de quoi je me mêle en fait. Ouais. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Je fais pas une émission sur la chirurgie. Je suis pas dans des coulisses de chirurgie, je suis pas dans. Donc c'est le problème de personne en fait, tu vois ce que je veux dire? Si, si, et je vois tout bien. Tout comme est-ce que je suis en couple avec Jayana ou pas, est-ce que je suis en couple tout court, en fait je réponds ce que je veux parce que je peux te mentir, je peux te dire la vérité. C'est au feeling en fait, tu vois. Mais tu comprends bien pourquoi on te pose des questions. Bien évidemment. Bien sûr. Quand c'est mignon. Bon, sinon, on va parler des collègues. Parce que Bambi n'est pas la seule à faire de la dance soul. Quels sont. Déjà, quels sont. Qui t'a. Coup de cœur, ouais. Ouais, les coups de cœur, tes coups de cœur actuels du moment. Coup de cœur actuel du moment, ouais. Elle cherche.
Non, j'aime beaucoup. Enfin, j'écoute beaucoup de musique. Donc, coup de cœur actuel du moment. En artiste ou... Ouais, artiste. Ah, ouais. Hein. Artiste, Guyane. Antio-Guyanel, moi, je vais rester sur le mot Antio-Guyanel. Matthew White. Ouais, Matthew White. Ouais, parce qu'on a fait un feat. Matthew White. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Je l'écoute depuis un moment, hein, depuis longtemps. Et Poplan de la Guyane, bien évidemment. Vraiment, Mollet. Il y a qui d'autre? Et au niveau des filles? Au niveau des filles. Anti-Guyane. On sait que c'est la guerre, hein, mais. Arrête ça, jamais. Moi, je suis en guerre avec personne. C'est crépage de chignon. Pas du tout. Moi, je suis pas de chignon. Je suis pas dans ça. Je suis pas du tout dans ça. Nestlé, elle fait du bon travail. Rachel Allison. Ouais. Pardon. Oh, y a du bon. Je sais qu'il y a. Ouais, mais je sais que c'est compliqué de répondre à la question comme ça. Ouais. Et au niveau des Guyanais, parce qu'il y a pas mal de chanteuses guyanaises. Oui, il y a Golden Bee qui est avec nous ce matin d'ailleurs. Ouais, j'aime bien son move. Ouais. Elle a une belle voix. Elle a un flow aussi. Elle a fait un son avec Dana. Franchement, le son il est terrible. Enfin, j'ai une question effectivement. Est-ce que tu as envie de collaborer avec. S'il y avait un de ces artistes avec lequel tu devais collaborer, ça serait lequel? Mais j'ai déjà collaboré avec deux. Dans Matthew White, Poplan. Golden Bee, pourquoi pas, ouais. Moi, ça. Enfin, je suis fermée à rien du tout. Hein. Allez, le message est lancé. Ça serait. La proposition est lancée. Non, je suis fermée à rien. Ah, okay. Franchement, j'ai fait un featuring, c'est Lila. Ouais. Mm-hmm. Voilà, j'ai plein de petits sons sympas qui arrivent. Donc, je ne suis pas là à rien faire. D'accord. Je travaille. Qui a dit Je coffre, non, mais je bosse. Quelqu'un t'a dit que tu bosses. Je bosse. Quelqu'un t'a dit que tu faisais rien. Je fais du son, j'écris mais du si, son. Bien sûr, Bambi. Ça bosse. Le 6-9 sur Énergie Antilles. Et là, ce matin avec Bambi, première guest de l'année 2021. Ouais. T'aimes bien? Ouais, j'aime beaucoup. Ça annonce une année à la fois rayonnante, amen, piquante, pleine de chaleur, tu vois, pleine de passion. Puis ça annonce surtout un duo, une combine avec Matthew White. Oui. C'est ce qu'on a appris. Je pensais qu'il allait dire avec toi. Franchement. Un remix. Aussi. Attention, est-ce qu'on peut se faire un truc là maintenant? Vas-y, go. Hey. Bambi sur du bouillon. Aïe. Énorme. Ça vous promet. Préparez les cassettes. Ça existe encore les cassettes? Je sais pas si ça existe encore, mais enregistrez ça, les gars. Chaud. Fais-moi voir ça. C'est parti. Aïe. Vas-y, je vais te lancer parce que je sens que tu as besoin de. Real life, we back a fight over my heart. Mon papa est goût, mais que toi, juste pour nous. Tu peux faire tout aussi ma goût, vous voyez ton corps monter. Mais t'es pick the bad touch, the bad one. Real life, we back a fight over man. Mon papa est goût, mais que toi, juste pour nous. Parce que ça, really, 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 fire, fire. Parce que ça, really, 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 fire, fire. Hey, yeah. Il fait chaud. Ouais, c'est pas chaud. Real life is back a fight over man. Parce que c'est back it up, back it up, girl. C'est ça qu'on veut. Parce que c'est back it up, back it up, girl. Au revoir. Parce que c'est back it up, back it up, girl. A bad girl, Bambi, kick around the place. Don't let where to stay from, now wind up your waist. Your patchy kick up alley, man, you saw the actress. The actress. Bambi, you saw the actress. Il est où, Diana? Ok. Just be like. Le Diana qui parle pas anglais, tu vois. Non, mais c'est très bon. Attends. Très bon. Attends, elle a pas fini. A bad girl, Bambi, kick around the place. Molle ouais toutes ces femmes, wind up your ass. Mais yo ka back it up, back it up, girl. Mais yo ka wind it up, wind it up, girl. A bad girl, bad girl. A bad girl, bad girl. A bad girl. A bad girl. Excellent, merci beaucoup Bambi. Franchement, on s'est bien éclaté ce matin pour la première du guest de l'année 2021. Vraiment. Avec Bambi qui prend son temps pour les prochains projets. Ouais. Ne vous inquiétez pas. Oui. Mais ça sera aussi lourd que le mashup, les gars. Ça, je le garde bien au chaud. Hein. T'inquiète pas, il sera gardé bien au chaud. Merci Bambi en tous les cas d'être passé. Quand merci tu reviens, tu passes nous voir évidemment. Avec plaisir. Et la prochaine fois, tu fais toute l'émission avec nous, 6h, 9h.
Avec plaisir. Ouais. Tu as du soir. On te met un litre de café de côté. C'est ça. Exactement. C'est bon. Ça gère. Merci Bambi. Merci. Passez un excellent week-end. On se retrouve lundi dans le 6-9. Ciao, ciao. C'est cool. Le 6-9 sur Énergie Antilles.